Le dialogue social est le seul moyen efficace pour rendre compréhensibles les enjeux du développement socio-économique. Pour cela, l'on doit en faire son credo. C'est dans cette optique que se tient cette session ordinaire du comité de dialogue social de brassage des ressources naturelles. Cette structure de dialogue social est créée en 2009 sous la clairvoyance du président de la République Idriss Déby Itno. Les membres de ce comité ont pour mission d'apaiser le climat social à travers une sensibilisation de proximité dans tous les milieux sociaux professionnels. Tous les membres de cette branche, grâce à votre assiduité, votre abnégation, et votre disponibilité, vous avez contribué efficacement à maintenir un climat social apaisé dans nos 5 départements ministériels. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie affirme que le dialogue est la seule arme pour relever les défis de l'heure. Vous conviendrez avec moi que si nous n'apprenons pas à dialoguer du planton au ministre, nous ne pouvons pas relever les défis du développement qui se pointe à l'horizon avec rapidité. Le comité du dialogue social des branches de ressources naturelles regroupe les représentants des différentes branches syndicales et ceux des 5 ministères, à savoir les ministères des mines, de la géologie et des carrières, du pétrole et de l'énergie, de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, de l'environnement et de la pêche et celui de l'élevage.